Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier épisode de l'année. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Attendez, vous avez vu l'animal qui courait bizarrement là? Ou je sais pas ce que c'était? Très bien. Bon, vous n'avez rien raté hein, les amis, hein. Si je suis ici, soyez rassurés, c'était uniquement pour me balader et pour repiocher, vous savez, dans le bunker, on est pas loin de notre base, dans ce bunker-là, repiocher des ampoules, etc. J'ai récupéré quelques petits loot. Qu'est-ce que j'ai récupéré d'intéressant? C'est une bonne question. J'ai plus beaucoup de fil, hein. Vous allez comprendre pourquoi, c'est un peu la dèche. Mais voilà, j'ai récupéré des ampoules, des panneaux solaires, ah oui, et puis des batteries de voiturettes de golf. Oui, à la base, c'est pour ça que je suis venu ici. Bah d'ailleurs, ça a respawn, mais du coup, je suis full. On va directement, oh là, j'allais dire rentrer à la base, mais d'abord je vais juste récupérer la bâche qui m'a permis de sauvegarder, si c'était possible. Voilà, on va rentrer à notre base. Aujourd'hui, un épisode expérience, l'épisode expérience time pour cet épisode 38. Épisode, j'ai presque envie de dire tant attendu, parce qu'il y a énormément de choses que je me pose comme question depuis le début de l'aventure, depuis bah, maintenant presque un an que le jeu est sorti, à savoir qu'est-ce qui se passe si on veut quitter la map, est-ce qu'on peut aller très haut, est-ce qu'il y a une limite de hauteur, est-ce qu'il y a un plafond de verre. Voilà, plein de questions qu'on se pose. Aujourd'hui on va faire des petites expériences comme convenu, comme vous me l'aviez proposé également en commentaire dans le dernier épisode, d'ailleurs je vous en remercie énormément. On récupère la plante à fèche sur le terrain. Probablement que dans le prochain épisode, donc l'année prochaine, dans le prochain épisode probablement qu'on va terminer, le jeu, qu'on va faire le boss final, je pense qu'on va faire le boss final, comme convenu, enfin... Comme voilà, c'est 50-50 dans les commentaires, il y a ceux qui veulent que je ne termine pas, il y a ceux qui veulent que je termine. Et en même temps, d'un côté, j'ai tout autant le cul entre deux chaises, hein, pour être très honnête avec vous. Et bien tout simplement parce que j'ai pas envie de... En fait, j'ai pas envie de finir le jeu parce qu'après j'aurais plus envie de... Enfin, tu vois, si je fais le boss final, j'aurais plus envie de continuer cette saison 2. Et faire une saison 3, pour le moment c'est un peu tôt. Et en même temps, du coup, bah, je veux pas terminer pour des raisons évidentes. Mais en même temps, on tourne en rond, comme vous le dites. Vous avez raison. Donc, un peu chiant. Un peu chiant. Bref, allez, on va rentrer à la base. N'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir le contenu. Et merci d'être toujours aussi fidèle. Et encore une fois, les gars, tous les jours, il y a quelqu'un qui me découvre et qui rush les épisodes. Donc, vraiment, grosse pensée à vous. Gros big up. Je me souviens, au bout du 10e épisode... t'en avais qui disaient ouais, j'ai découvert la série, je viens de regarder les 10 épisodes d'affilée. Et là ça fait 38 épisodes. Donc grosse pensée à ceux qui me découvrent maintenant et qui ont entre guillemets la chance de pouvoir enchaîner 38 épisodes au lieu de 10. Parce que forcément bah après vous attendez chaque semaine le nouvel épisode. Donc c'est vraiment stylé. Merci à vous vraiment pour votre fidélité infaillible. Sachez que vous êtes des boss et que vous connaissez ma blague que j'aime faire. Mais clairement, je vous suce. Voilà. Ça, c'est pour la petite vanne que j'aime bien faire. Allez, direction la maison. Oh, ça rime en plus. Oh, il y a un camp cannibale. Eh, attendez. Après, on est là pour faire des expériences et se balader, mais... Ça me dit rien ici, là. J'ai l'impression que j'étais jamais allé là. Attendez, attendez, attendez. On va descendre. De toute façon, il y a de quoi redécoller ici, visiblement. Il y a un camp cannibale en dessous. Mais j'ai l'impression que je ne suis jamais allé là. C'est marrant ça. Oui non, et sans déconner, je suis jamais allé là. C'est pas des lol. Alors je vais pouvoir redécoller d'ici, ça c'est pas mal. Par contre, il y a du cannibale. Hein. Mais ça, je m'en fous. Ouais, je vais pouvoir redécoller là. Vas-y, on va voir. Je suis jamais allé là, regardez. Incroyable. Incroyable. Bon, j'imagine que les loots seront pas exceptionnels. Hein. Ah bah, du fil, parfait. Hein, des médicaments. Ok, bon, médoc, je suis full. Allez, parfait, on récupère quand même des trucs. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. En vrai, c'est pas mal. Mais ouais, ce camp, j'y suis jamais allé. Hein. Je vous assure que j'ai jamais vu. Ok. Bah, je suis pas déçu. On a bien fait. Voilà, je suis quand même content d'être venu là. Voilà, c'est un plaisir. Bonjour, monsieur. Je me casse, vous inquiétez pas. Je venais en paix à la base, hein, je vous rassure. Alors, au programme de cet épisode. Parce que j'ai quand même envie de faire plusieurs trucs, malgré tout. Mais oui, je suis jamais allé là, regardez, c'est là où il y a les yachts. Donc là, on est déjà allé au yacht. Mais j'avais jamais vu ce camp indigène en haut de ces falaises. C'est complètement dingue. Donc au programme, vous l'aurez compris, on va essayer de quitter la map. On va voir ce qui va se passer. On va essayer d'aller le plus haut possible avec le planeur. Mais également, on va retourner à notre toute première base. Mais ça, on fera ça à la fin de la vidéo.
Voilà, pour des raisons nostalgiques, on retournera à notre première base. Puisque la précédente, on la connaît, elle est en haut de la colline, on y va assez souvent. Avant ça, par contre, on va juste expérimenter quelque chose. On va juste aller voir. Oh, regardez les requins. Wesh, il y a des requins ici. Ok. Ah, j'aime bien. On va juste expérimenter deux trucs. Déjà, on va retourner à l'imprimante 3D avant toute chose. On va retourner à l'imprimante 3D. Elle est à côté de la base, si je dis pas de bêtises. Non, mais je dis des conneries, il n'y a pas d'imprimante 3D, qu'est-ce que je raconte? Il n'y a pas d'imprimante 3D. Ah, si, si, il y a une imprimante 3D à côté de la base. Si, si, attendez. Donc, on va juste aller voir. Et si jamais il y a des nouveaux trucs, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Et aussi parce qu'en fait, il y a un site, le site de maintenance. Alors, on y était déjà allé hein, dans ce site de maintenance. Mais j'avais pas fait le lien que c'est à côté de notre nouvelle base. Enfin, vous allez comprendre ce que je veux dire. Et ensuite, j'aimerais juste qu'on explore une partie de la map dans le sud-ouest. Voilà, on va aller au sud-ouest de la map. Vous comprendrez plus tard pourquoi. C'est une partie que j'ai beaucoup ignorée, qui est peut-être sous-cotée. Je ne sais pas. Après, ça pourra nous donner des idées pour la saison 3, qui sait, justement. Là, je suis dans la merde. Là, je suis dans la merde. Mais oh putain, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Beaucoup de freeze. Ça va passer là ou... Eh. Genre. Ah non. Oh, ça passe. Hop. Allez hein. Dommage. Dommage, notre base est juste au-dessus. Bon, bah attendez, mais ça tombe super bien. En fait, le site de maintenance, regardez, et ben voilà. Mais t'es sérieux toi? Donc notre base, elle est juste au-dessus de la colline, d'accord? Ok, notre base actuelle. Et j'avais jamais fait le lien. Mais normalement... Oh putain, il y a des élans. Oh non, ça c'est chiant. Alors ça c'est très très chiant les élans. J'avais jamais fait le lien. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais attendez, mais on est... Aussi, on a sûrement déjà vu ça. Oui, on a sûrement déjà vu ça. Et en fait, normalement, il y a le site de maintenance dans lequel on était déjà allé, bien évidemment. Mais juste ici, et je trouve ça fou, parce que... Donc c'est là où il y a l'imprimante 3D. Et j'avais pas fait le lien que c'était à côté. Donc on va aller voir ça. On va aller voir ça. Oui, putain. Ah, c'est excellent. Je me suis fait courser par un élan ou... J'ai eu trop peur. Voilà, donc on va descendre du coup pour checker l'imprimante 3D. Et ouais, du coup, bah en fait, on avait ça à côté de notre base, donc c'est vraiment fort. J'aurais même pu aller là du coup pour récupérer des ampoules, je pense. Je crois qu'il y a des ampoules ici, je suis pas sûr. Bon, on va aller voir ça. Déjà, en plus, on peut récupérer des munitions d'armes et c'est parfait pour faire le stock bah, pour le prochain épisode si on fait le boss final. Hein. Clairement, si on fait le boss final, va falloir qu'on se stuff quand même ben, relativement bien, mine de rien. Parce qu'il y a pas mal de choses qui nous attendent et que je ne suis même pas au courant, donc voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner des conseils sans me spoiler, hein, parce que je ne connais pas du coup les nouveautés, mais sans me spoiler, dites-moi si j'ai besoin de trucs en particulier, de me préparer psychologiquement ou physiquement pour certaines choses. Voilà, dites-moi en commentaire. Ah putain, il y a encore des bébés. La flemme. Hop, hop, hop. Voilà. Oh, bonjour. Bon, va falloir arrêter de faire la racaille. Voilà. Ça dégage la racaille. Là, il n'y a pas de nouveau. Oh, panneau solaire. Bah, je suis full. Dommage. Dommage, dommage. La hache de pompier que je récupère une deuxième fois, puisqu'elle est actuellement à ma base. Oh, ampoule. Mais non. Oh putain, mais c'est trop bien. Ok, bah du coup, c'est... Alors ça, c'est parfait. Je me retrouve avec 7 ampoules du coup. Magnifique. Juste les panneaux solaires que je peux pas prendre plus. Mais alors pour les ampoules, c'est vraiment GG. On a bien fait de venir ici. L'imprimante 3D donc. Les flèches. Flacon, masque, filet tech, traîneau, boîtier. Ok, ouais, y a pas de nouveauté. Alors flacon, j'ai déjà sur moi du coup. Masque, on s'en fout. Crochet de grappin, on s'en fout. Filet tech à la limite. Pour se protéger, du coup, ouais, même pour le prochain épisode, ça peut être pas mal. Alors j'ai 9 armures effrayantes, 5 armures d'os. Ouais, donc ça mange pas de pain. On va faire du filet tech, d'accord. Hop, on récupère ça. Oh, viseur laser, let's go. On a un bonus, enfin, viseur laser supplémentaire. Bon, ça on a déjà découvert.
Hop, je vais manger ça. C'est des trucs à récupérer là, non, j'ai pas l'impression. Oh, de la viande, ça je prends. Ça je prends. Hop, le filet tech. On va s'en refaire. Du coup là j'ai récupéré un seul filet tech. Ou bien. Tout à fait, bon c'est rapide. Ah non c'est long. C'est très long. Et puis qu'est-ce qu'on a là encore de nouveau? Bon là on peut sauvegarder je crois, bien c'est ça tout à fait. On va faire ça juste après. Et là on n'a pas de nouveauté. Ok, très bien. Très bien, bon on a bien fait de passer par là, c'est toujours sympa hein, avant de commencer les expériences. Vous allez voir ça va être vraiment fort. Traîneau j'ai déjà, boîtier GPS on s'en fout. Et flèches on peut les fabriquer. Ok bah écoutez j'en profite. Juste pour faire quelques... je vais user toute ma résine pour faire des filets tech. C'est relativement important, ça nous fait toujours de l'armure en plus. Clairement, hein, on en a clairement besoin. Voilà. Donc on se fait ça tout de suite. Et puis voilà, comme ça, ça vous laisse le temps de liker cet épisode. Je force, hein, vraiment, je force. Mais vraiment, là, écoutez, c'est la dernière vidéo de l'année. Enfin, c'est le dernier épisode de l'année plutôt. J'essaye là de vous sortir quotidiennement des vidéos. J'espère que ça vous régale. J'ai plein d'idées, plein d'idées de contenu, de jeux à faire. En même temps que... ben. Dans ma vie perso et ma vie pro c'est assez mouvementé et j'arrive à essayer de trouver du temps et d'énergie pour vous produire d'autres contenus que j'ai envie de faire justement. Donc voilà, j'espère que ça vous régale et je donne mon maximum pour faire le tout pour le tout quoi. Donc voilà, on se fait un maximum plaisir. Et là on vient d'user toute la résine. Mais je peux en remettre donc je vais continuer. Évidemment, voilà. Si déjà, je sais pas jusqu'à combien de filets tech on peut transporter. Ça va être vite vu. Écoutez, c'est le dernier qu'on va faire. Comme ça, l'affaire est réglée. Voilà. Hop, je le prends. Donc ça nous fait là sur nous, pour le moment, 6 filets tech. C'est pas mal, hein. En vrai, c'est pas mal du tout. Allez, on va sortir. On va sortir. Et ce qu'on va faire... Faut réfléchir méthodiquement. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Faut être assez cohérent. Oh, encore des ampoules. Oh, punaise. Et de la bouffe. Allez, on a 8 ampoules sur nous. Oh. Ah, dommage. Parce que là, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est monter déjà. Ah, voilà. Comme dit, j'aimerais aller au sud-ouest de la map. J'aimerais aller le plus haut possible. Et j'aimerais quitter la map. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire en premier de manière logique? Est-ce qu'on rentre... Bah, oui, on va déjà rentrer à la base parce que... Bah déjà le soleil se couche, on a des ampoules, on va pouvoir faire de la décoration. Puis je vais vous montrer ce que j'ai fait en off également, parce que j'ai fait des trucs en off me semble-t-il. Même moi je ne suis pas sûr. Oh Virginia, putain tu m'as fait trop peur. Eh la vérité, tu refais plus jamais ça. Je m'attendais pas à te voir ici. Je sais pas d'où tu sors ce poisson. Fraîchement vivant en plus. Hop, je le prends, merci. Et on va rentrer à la base. Hop. Voilà la technique ancestrale d'Emkolo. Bon la base est derrière, je le sais bien. C'est juste pour prendre de la hauteur que je fais ça. Hop là, on va pouvoir faire demi-tour tranquillement. Parce qu'il faut monter au-dessus de cette butte de montagne que vous voyez. Virginia juste en dessous, c'est excellent. Hop. D'ailleurs si on continue par là, on va se retrouver à notre première base. Mais de toute façon ce sera sur notre chemin tout à l'heure. Donc ne vous inquiétez pas. Bon j'ai l'impression que je vais pas réussir à monter très haut là. J'ai un peu le seum. Ouais, j'ai carrément le seum. Bon bah écoutez, je prends ça et on va suivre le chemin puisque ce chemin nous mène directement à notre base. Et on arrive à notre base sous la protection de Virginia. Bah bon, allez là voilà, parce que vraiment je vous assure depuis tout à l'heure Virginia me suit de très près, donc ça c'est plutôt pas mal. Et vous allez voir déjà les premiers changements d'ailleurs au niveau de la base. Ça y est, je me souviens ce que j'ai fait, j'avais complètement zappé, vous allez le voir. Ça change un petit peu, ça change un petit peu, c'est plutôt pas mal. Bon, je suis en train de mourir de soif, mais vous inquiétez pas. Est-ce que vous remarquez déjà qu'il y a un petit peu moins de végétation? Je vous rassure, je n'ai pas tout déforesté, comme en haut. Mais quand même, vous allez vite le voir. Bon, là, j'ai mis 3 pièges d'affilée, je sais pas si c'était déjà le cas avant. Je ne crois pas. Mais voilà, Kelvin m'a aidé à plutôt faire beaucoup de bois. Donc là, j'ai agrandi la muraille. Alors bien sûr, on peut encore venir par là, ça c'est évident. Mais du coup c'est très épuré, on a énormément de place et plus d'arbres. Vous allez comprendre, c'est vraiment génial. Oh, il y a un cannibale qui rôde. J'ai vu un cannibale rôder, ça m'a fait trop peur. Bon, déjà je vais boire.
Hein, dans un premier temps. Ensuite, je vais sortir ma lampe de poche parce que là, regardez. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Hop, ça dégage la racaille. Kelvin, il a eu peur. Alors, les projecteurs. Les projecteurs ont été fabriqués d'ailleurs, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ça éclaire plutôt bien. Là, pareil, j'ai mis une muraille. Bon, je vais vous montrer de jour. Mais voilà, déjà, vous voyez les projecteurs. Voilà. Ensuite, au niveau de l'intérieur de la maison, là, j'ai ajouté des stockages de bois. En haut, ah oui, j'ai fait une grande baie vitrée ici. Du coup, sans volet. L'étagère, ça c'était déjà le cas. Bon, très bien. Allez, on va dormir. Non, d'abord, je vais sauvegarder. J'ai trop peur que le jeu plante. J'ai trop peur que le jeu plante. Voilà, on va dormir. On éteint la lampe. Et là, regardez la vue qu'on a. Est-ce que c'est pas magistral, franchement? C'est juste magnifique. C'est pour ça que j'ai pas envie de finir cette saison 2 en même temps. Hein. J'ai pas envie de finir cette saison 2, bordel. Voilà, je vous montre en fait ce... Alors, j'ai fini tous les pièges aussi là-bas que j'ai placé un petit peu n'importe comment. Mais pour vous montrer le potentiel qu'on a ici maintenant, le fait d'avoir enlevé des arbres, les arbres qui vont repousser de toute façon pour la plupart. Mais on a un vrai terrain, on a un vrai... on a de la place ici pour faire des choses, tu vois. On a de la place pour faire des choses. On va pas refaire une maison ou quoi, ou un point de vue machin, tu vois. Mais c'est chouette, on peut voilà mettre des stockages. Là, on a de quoi faire en fait. On a de quoi faire, se faire une petite muraille tout autour tranquillement, sans trop abuser. C'est plutôt... voilà, franchement, moi j'aime bien. Je me sens vraiment bien. Là, j'ai fini aussi les petits murs sur les côtés. Pour le petit coin de pêche. Voilà, enfin, c'est vraiment cool. Alors, je vais placer les ampoules, mais en fait, toutes les ampoules sont placées là pour moi. J'ai même ajouté une ampoule. Ah non, là, c'est juste les câbles. Mais attendez. Eh, soyons malins. Voilà, si déjà j'ai mis le câble ici pour relier le projecteur, autant mettre une ampoule là. Et mettre une ampoule là, mais bien sûr. Mais bien sûr, où avais-je la tête? Parfait, impeccable. Bon, les buissons, ça prend du temps à pousser. Hein. Enfin, c'est pas aussi important que ce que j'imaginais, mais bon, c'est déjà ça. Ça cache quand même le mur fade. Sinon, niveau ampoule, là, il n'y a pas forcément besoin de... Bah, pff. Après, si, oui. On peut mettre là. Donc là, je vais... Il y a déjà un câble relié, donc là, ça sera bon. Je vais mettre une ampoule là. Là, je vais pas surdoser. Là, il y a assez d'ampoules, hein, clairement. Il y a assez d'ampoules. Bon, après, on pourrait toujours mettre une là. Donc, alors, ce que je vais faire pour que ce soit moins moche. Tac, tac, tac. Voilà, c'est pas facile, en vrai, à gérer les câbles. Bah, il me reste plus qu'un fil, d'ailleurs. Donc, je vais mettre une ampoule là. Ok. Et une ampoule ici. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, ce que j'ai fait... Ah oui, donc j'ai mis ici un propulseur carapace donc qui me permet de décoller avec le deltaplane. Mais ce qui me permet aussi de monter sur le toit sans avoir à mettre une bûche. Voilà. J'ai rajouté un autre propulseur ici pour pouvoir également décoller d'encore plus haut avec le deltaplane. Donc ça, ça régale. Bon, le mec, il ne fait que de mourir de soif. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Bon. On va boire... bah, j'ai plus d'eau. On va boire une petite boisson énergisante. On va se faire un petit, une petite casserole, un petit festin. Hop, on va remplir l'eau là. J'attends l'eau là. Voilà, et on va se faire un petit festin parce qu'en plus on a de la viande sur nous qu'on a récupéré juste avant, donc c'est juste parfait. On va se faire une petite tambouille et on va pouvoir passer aux expériences sociales. Ça, ça va être très très chouette. Au propre, non, c'est pas ça que je veux faire. Viande bouillie, voilà, tout à fait. Hop. Et hop. Et voilà le travail. Et voilà toc. On va mettre quelques feuilles pour accélérer le processus. Parce que je peux mettre... Non, je peux pas. Alors, j'aimerais vous parler du sud-ouest de la map. Qui, à mon sens... Ça va, Virginia? Bah, tu t'es fait fracasser la tête, là? Qui t'a fait ça, ma belle? Qui t'a fait ça? Je ne sais pas. Hop, on va remplir également le flacon. Le sud-ouest de la map, je me suis rendu compte que c'est une partie où je ne suis pas beaucoup allé, mine de rien. Potentiellement vide également, mais peut-être sous-côté, je ne sais pas. Alors, regardez, le nord est là. L'est est là, donc le sud-ouest, il est là-bas. Et donc, par exemple, avec la coop avec Gabi, on est installé à l'ouest. Ici, vous voyez le banc de plage? Bon là, je peux pas zoomer, mais vous voyez mon GPS tout en haut du GPS, là où c'est écrit N.
sur la plage où il y a la petite maison, c'est là-bas qu'on est installé en coop avec Gabi. D'ailleurs, pourquoi il y a une maison là-bas, je ne sais pas. J'ai dû mettre une tente. On est installé là-bas avec Gabi. Sauf qu'en continuant, en longeant, vous voyez la plage, en longeant là-bas, c'est une partie où, c'est vrai, on n'y est jamais allé. Et je suis sûr qu'il y a des trucs sympas là-bas. Donc on ira voir, surtout que c'est juste à côté de notre première base. Bah, vous savez quoi, on va aller à notre première base directement, et puis ensuite on va aller au sud-ouest. Et ensuite on va essayer de quitter la map, et ensuite on ira le plus haut possible. Ça fait un beau programme quand même, hein. Ça fait un beau programme. Allez, est-ce que c'est prêt? C'est prêt! Donc là, ce qu'on va faire directement, les amis, tant qu'on y est, on va manger un bon petit cheat meal. Voilà, comme ça, on est au taquet. Encore une boisson énergisante. Voilà. Là, on est au taquet. Je fais une sauvegarde, parce qu'à partir de maintenant, les amis, on peut mourir. À partir de maintenant, voilà, il ne faut plus compter sur notre save de manière RP. Vraiment, à tout moment, on peut mourir. Il faut le prendre en compte. Comme dit, on ne sait pas ce qui va se passer quand on va quitter la map. Si on peut sortir des limites de la map. Et j'ai cherché sur YouTube, sans vouloir me spoil, hein, mais j'ai voulu chercher sur YouTube et je n'ai pas trouvé, dites-vous, je n'ai pas trouvé de vidéo où cette expérience est faite. Et pourtant, sur The Forest, c'est quelque chose qui a été fait. Mais pas sur Sons of the Forest. Donc j'ai hâte de voir, est-ce qu'on va finir bouffé par des crocodiles, enfin par des requins. Est-ce qu'on va nous dire de faire demi-tour, ou est-ce qu'on peut juste quitter la map comme des cons. Est-ce qu'il y a peut-être une cinématique cachée, qui sait. Ce qui m'étonnerait pour le coup. On sait jamais. On va découvrir ça ensemble. D'abord, direction notre première base. Donc pour la nostalgie. Pourquoi il y a un grand... Bien qu'il y a un grand lac là-bas. Attends, nous on va là. Hein? Je comprends plus rien, ça fait longtemps que je suis pas venu là. Ah bah oui, là c'est le grand lac avec l'île au milieu. Ouais d'accord, ouais mais moi je reconnais plus rien du tout moi. Je ne reconnais plus rien du tout. C'est impressionnant. Hop. Et je crois que... encore un peu plus à gauche. Ouais, c'est perturbant, hein. Là, on a envie d'aller vers là. Mais en fait, c'est ici. Vu que l'orientation change en fonction de comment on vole. Regardez. Tu vois, d'un coup, on sera... Voilà, bah, c'est juste là. Ah, waouh, notre première base, les gars. Insane. Messieurs, dames, notre première base. Mais en vrai, on est tellement mieux là où je suis. Mais vraiment, ma base actuelle, c'est quand même la meilleure. On va pas se mentir. Mais dans l'idée, c'était pas mal. Mais c'était tellement galère. Pour rien, en plus. Tellement grand pour rien. Rien à faire, tu vois. Alors que ma base actuelle, elle est quand même bien. Pas terrible, hein. Mais ça rappelle des petits souvenirs du début de la saison 2. Plutôt chouette. Oh, des plantes. Je récupère. Graines d'épilobe. Oh, le lapin. Voilà, hein, les petits pièges. Batte du diable. Je me souviens que je voulais faire une maison là-haut. Mais au final, c'est vrai que c'était pas une bonne idée. Heureusement qu'on l'a jamais faite. Et puis, du coup, voilà la vraie maison. C'est celle-là, la vraie première maison d'ailleurs, hein, disons-le. Qui par contre était trop petite cette fois-ci. Voilà. C'est vrai que c'est compliqué de bien doser, hein, entre trop grand, trop petit. Mais là, actuellement, on est vraiment bien. Actuellement, on est vraiment bien, je trouve. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à dire également ce que vous pensez de... Avec le recul, bien sûr, de cette première base. En vrai, ça va. Honnêtement, je m'attendais à pire. Mais je suis quand même content d'être là où je suis actuellement. Bon. Oh purée, regardez, en plus, il y a du people là-bas. Il y a du people. Et d'ailleurs, regardez, on a des jumelles. Il faut en profiter, les gars. Il faut en profiter. Incroyable. Incroyable. Bon. Ce qu'on va faire du coup, on redécolle. Ah bah, notre lieu de crash est juste à côté. On redécolle et on va aller donc du coup... Bah attendez, on va déjà survoler la plage. De toute façon, comme ça vous comprendrez ce que je veux dire. Et j'ai hâte de voir des trucs. Alors attendez, est-ce que c'est possible? Oh, je vais tomber. Allô? Ce serait pas mal de pouvoir monter.
S'il te plaît. Attends, parce que ça marchait avant, hein. Ça a été patché, ça. Allez. Ça a été patché, MDR. On peut plus monter là-haut. Excellent. Alors ça, c'est excellent. Non, va pas dans l'eau, hein. J'ai vraiment besoin de toi. Bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Regardez. Dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se débrouille. Voilà. Tout simplement. Hop. Et voilà, toc. Ah oui. Mais non, mais je suis con. Excusez-moi, hein. Je suis pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, hein, comme on dit. Voilà. Paf. C'est bon. Là, on peut redécoller, on peut repartir. Là, normalement, hop. Parfait. Allez, c'est parti. Eh ben, quel enfer. Hop. Allez, on n'hésite pas. Bon, là, il faut juste faire quelques petits allers-retours, mais vous allez voir, ça va être très rapide. De toute façon, comme dit, on va vraiment redescendre, donc c'est pas un problème. Juste prendre un petit peu de hauteur pour passer au-dessus des prochains arbres. Parce que là, les arbres vont nous déranger un peu. Et dire que c'est ici que j'ai découvert la technique pour justement voler avec le deltaplane, c'est vrai que c'est quand même assez emblématique. Voilà. Vous voyez, on prend déjà pas mal de hauteur. Un dernier coup et je pense qu'on sera pas mal. Oh bah là. Oh bah là, c'est bon. Là, je peux décoller au-dessus des arbres sans problème. Donc là où il y a la petite maisonnette à droite, au niveau de la plage, vous allez le voir. Donc c'est juste en face de nous en réalité, voilà. Donc c'est là-bas qu'on est installé avec Gabi en coop. Si je dis pas de bêtises, c'est là où il y a d'ailleurs le radeau rouge. Le radeau rouge où il y a le requin qui tourne autour, vous le savez. Voilà, donc on va y aller. On va juste survoler par-dessus, histoire de bien repérer. Hop. Tac, tac, tac. Voilà, on voit le radeau rouge au loin, vous le voyez. Bon, bah voilà. Donc on est installé ici avec Gabi en coop. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube pour voir la suite de notre aventure en coop. Par contre, en longeant de ce côté, je me suis rendu compte que c'est un endroit où on n'est jamais allé. Autant à la saison 1, j'avais fait une petite maison à la con ici, juste là. Qui en soi n'était pas une si mauvaise idée que ça, maintenant qu'on connaît la map. Et c'est vrai que maintenant qu'on connaît la map, ici, c'est un petit spot sympa, hein, en réalité. Mais c'est vrai que là, je me suis jamais amusé à longer ici. Alors, il y a des animaux. Regardez, il y a plein d'animaux dans l'eau, là. Et bah voilà, bah, c'est pour ça que je suis content de venir là. Vous voyez, ici, je me suis jamais baladé. Peut-être une fois sur les hauteurs en haut, mais c'est tout quoi. Mais là, ici, jamais de la vie je me suis baladé. Et ça, c'est chouette. Je voulais vraiment le faire ça aujourd'hui pour cet épisode, entre guillemets, expérience. Pour voir un peu. Oh, on voit bien sous l'eau maintenant, ça y est. Regardez, il y a des trucs là. Il y a des trucs échoués. Bon, je pense rien de très intéressant. Oh, il y a des caches. Il y a quand même des caches. Eh, c'est quand même complètement fou. Bon là, ça m'embêterait d'atterrir en bas parce que je pourrais pas redécoller. Mais eh ouais, je suis jamais allé là, les gars. On est où là? Mais c'est impressionnant. Voilà, un flanc de la map encore qui est inexploité. Enfin, je dis ça, mais il y a des trucs en fait. Je dis ça, mais il y a des trucs. Mais vous voyez ce que je veux dire? Regardez, tous les arbres qu'il y a, machin. Là, on peut se faire une base et tout. Hein. On peut se faire une base sans problème. Bon, je compte pas en faire une, hein, je vous rassure. Mais là, c'est un coin pour une saison 3. Oh non. Oh non, les pauvres animaux. Oh, dégueulasse. Tu vois? Ça, c'est un endroit où on n'est jamais allé. Ça m'impressionne, en fait. Ça m'impressionne. Bon, les amis. Est-ce que c'est le moment d'expérimenter? De partir? Je pense que oui. Alors, lâchez votre plus beau like. Et encore une fois, si jamais on meurt, c'est pas grave, on aura exprès sauvegardé juste avant. Donc les amis, je vous propose de partir au large. Direction plein ouest. Voilà, on va partir direction plein ouest. Et on va voir ce qui va se passer. Ah bah voilà. Allez. Allez, bah je peux pas. Je peux juste pas. Je peux pas. Voilà, je suis pas thalassophobe. Je suis pas thalassophobe, mais j'avoue que là, je peux pas. Là, je peux pas. Voilà. Bon, vous savez ce qui se passe. En gros, c'est pour vous dire, le deltaplane, je peux pas. Je peux pas, et j'espère que d'ailleurs ça vous fait plaisir, parce que je sais qu'il y a des thalassophobes parmi vous. Non, je peux vraiment pas là.
On va se faire bouffer par un requin, on est trop loin là, je peux pas, c'est juste pas possible. C'est pas possible, voilà. Donc je suis même pas parti si loin en soi, je parle en deltaplane, hein. Après pour nager, c'est vrai que là j'aurais eu le temps de me faire croquer le cul. Hein. Je suis même pas parti loin que le deltaplane m'a jeté des mains, m'a lâché des mains. Alors on va refaire l'expérience plusieurs fois, vous inquiétez pas, hein, on va d'ailleurs directement enchaîner plein nord, je pense, direction nord. Direct là on va redécoller, vu qu'on est à la base avec le deltaplane, là on va vite redécoller. Hop, et on va du coup aller là-bas, direction plein nord. D'ailleurs j'ai même pas besoin de la carapace de tortue pour décoller, je vais juste m'élancer ici et on va voir du coup pareil si ça va me lâcher des mains ou pas. Donc on est parti là-bas, d'accord. Et ben là on va prendre le large, direction nord. Donc tout pile au niveau de la plage où on est installé avec Gabi. Et où on est sûr qu'il y a des requins d'ailleurs, donc ça c'est vraiment la dinguerie. Ah non, c'est pas là, pardon, c'est pas là. C'était justement là-bas, à l'ouest. C'est pas ici qu'on est installé avec Gabi. Allez, on va voir, donc je vous montre vraiment, comme dit, je vais prendre encore plus de hauteur pour vraiment vous montrer qu'il n'y a pas eu de bug ou je sais pas quoi. On va essayer de voir si c'était pas un bug ou pas. Là, on va juste se laisser porter. Je prends maintenant l'élan encore. Voilà. Voilà. Donc là, je vais... Là je ne touche plus à rien les amis. Je ne touche plus à rien, regardez. Je tape des mains, je sais pas si vous entendez. Je tape des mains. On n'est pas si loin que ça encore. On n'est pas loin du tout même. Je tape encore des mains. Vous voyez, je ne touche à rien, j'ai trop peur. J'ai trop peur. J'ai envie de descendre la souris juste pour voir. Mais je veux pas que ça influe le... Oh j'ai compris, regardez le GPS. Ça va dropper là. 100% ça va dropper ici maintenant. Ça y est, j'ai capté. Voilà, tout à fait. Bon bah vous avez capté, hein. Adieu. Allez, je échappe, hein, les gars. Vous me remercierez. Franchement, vous me remercierez, je pense. Mais vous voyez, en réfléchissant, je suis quand même un peu déçu. Et ça montre encore une fois la différence entre The Forest et Sons of the Forest pour plein de points. C'est-à-dire que sur The Forest... Bon, donc vous l'aurez compris, en fait, il y a une limite. Je sais pas si... Ouais, ça se voit, regardez. Regardez, vous voyez le GPS ? Vous regardez l'océan, il y a une ligne blanche. Enfin une ligne. Il y a une ligne qui différencie l'océan. C'est plus bleu clair d'un côté que de l'autre. Si vous regardez bien. Et ça partit en fait de là que... Bah que en fait on... Vous voyez ça fait un... Je pense que ça doit faire un carré tout autour. C'est complètement con. Enfin c'est normal en termes de game design, hein, je veux dire. Mais par contre sur The Forest... Quand tu prenais par exemple le bateau. Parce qu'on avait des bateaux à ce moment là. Là on n'a pas encore de bateau. Quand on partait en bateau et qu'on prenait le large... Et ben d'un seul coup, notre personnage sortait la photo de Timmy, donc de son fils qu'on était venu chercher, enfin voilà. Il sortait la photo de son fils Timmy en mode « Non, je peux pas partir, je dois retrouver mon fils. » Et le bateau se retournait et on devait retourner vers l'île. Alors que là, c'est juste le deltaplane, il se casse la gueule et puis tu meurs au milieu de l'océan. Voilà, globalement c'est ça, hein, parce que là à mon avis on est mort hein, dans l'océan. Hein. Là je fais échappe à chaque fois parce que je me chie dessus mais... Pardon ? C'est une plaisanterie ça. Alors ça mon pote, celui qui a fait ça. Ça va Kevin, c'est toi qui m'as fait une blague peut-être. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire de ça. Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous pensez que ça va être patché? Qu'il y aura justement des nouveautés à ce propos? On pourra peut-être même piloter un bateau, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Elle m'a fait peur aussi Virginie, elle avait un drôle de comportement là ou quoi. Allez, dernière expérience les amis, c'est la dernière. On va essayer d'aller le plus haut possible, même si je vais être honnête avec vous, au vu de ce qui s'est passé en termes de distance océanique, je pense que niveau game design ça va être la même chose et on va se prendre un plafond de verre. Donc déjà on va prendre énormément de temps pour monter, je vous rassure je vais faire des coupures. Moi, ça va être très très long. Mais voilà, on va prendre un maximum de hauteur. Et je pense qu'à un moment donné, soit le deltaplane va nous lâcher des mains, ou soit on va tout simplement plus pouvoir aller plus haut, quoi. Genre comme si là, vous voyez, j'arrive plus à monter plus haut. Je pense que ça va être un truc dans le genre. Je vais être, à mon avis, bloqué en termes de hauteur. Je pense sincèrement que c'est ça ce qui nous attend. Donc voilà. On va essayer de monter déjà au niveau de la montagne, enfin le sommet de la montagne. Donc déjà ça c'est quand même assez haut et ça va être assez long. Donc les gars, j'ai envie de vous dire à tout à l'heure.
Je vous reprends à peine 10 secondes après, mais voyez, on est déjà à la hauteur de notre ancienne base. Là, on a notre nouvelle base qui est juste là. Notre ancienne base, regardez, elle est juste là. C'est excellent, tu la vois ici. Voilà, juste là. Et puis notre nouvelle base juste à côté. Enfin, moi, je trouve ça trop bien, cette conquête de faire des bases à droite, à gauche, quoi. Ceux qui comprennent pas ça, je comprends pas. En fait, quand tu joues à Minecraft, t'aimes bien aussi de faire plusieurs bases, tu vois. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée. J'aime bien. Et regardez, on monte, on peut voir le lac, mais on ne voit plus notre base. On voit même plus la base. Ça, c'est, on est tellement loin. Ah, ça a commencé à apparaître. Voilà, on voit la maison, ça y est. Mais on est tellement haut. C'est impressionnant. Ça demande énormément de temps, énormément de patience et faut pas se foirer. Hein. Vraiment, faut prendre son temps. Je sais pas si vous vous rendez compte là, mais je fais des coupures, c'est terrible. Alors, je vais juste faire un truc parce que j'en suis au point où j'ai l'impression que je n'arrive plus vraiment à prendre de la hauteur. Donc là, je commence à avoir froid. Je vais continuer à pied pour monter en haut de la montagne parce que ça reviendra presque plus vite pour moi de monter à pied que de faire au bas, au bas, au bas. J'ai l'impression que je monte de moins en moins vite. Voilà, ça devient compliqué pour moi de monter. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive pas à monter? Ah oui, alors, je crois qu'il y a aussi une nouveauté. Bon, là, en l'occurrence, ça marche. Il y a eu un nouveau patch qui fait qu'on ne peut plus monter si facilement les collines dès à présent. J'ai vu ça. Alors là, je peux pas vous montrer d'exemple. Mais par exemple, ouais, peut-être ce rocher-là. Et encore, je suis pas sûr qu'on pouvait le monter jusqu'à présent. Mais admettons que le rocher que vous voyez en face, on pouvait le monter. Bon, bah, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut plus le monter comme ça. Mais c'est pas le meilleur exemple que je vous montre. Enfin, que je vous donne. Bah, d'ailleurs, vous savez quoi? De toute façon, on est en train d'y aller. Donc, on va voir. Waouh, regardez, on est tellement haut. Oh, c'est impressionnant quand même tout ce qu'on a fait là. C'est impressionnant tout ce qu'on a fait. Oui, non, mais là, c'est évident qu'on peut pas monter ce rocher. Et encore. What? On peut le monter. Bah, je croyais que ça avait été patché. Merde. J'ai besoin de toi. Non, j'ai besoin de toi. Arrête. Bon, enfin bref. Très particulier, mais voilà, il y a des... Ah oui, je crois... Voilà, ça va être là. Vous voyez, là, je commence à avoir du mal à monter. Voilà. Là, par exemple, ça, je ne peux pas monter, ça. Je vais pas tenter, je le sais. Vous voyez, ça, je ne peux pas le monter. Alors qu'avant, on pouvait... Oh putain. Donc là ça va être compliqué pour moi de monter plus haut en passant par là. Mais je vais trouver une solution en contournant notamment. Bah là regardez, je vais juste prendre mon envol. C'est parfait. Et redécoller pour essayer de monter un petit peu plus haut. Vous voyez là j'ai l'impression que je suis limité. J'ai l'impression que j'arrive à moins décoller là. Je vais passer par là parce que sinon ça va être plus compliqué je pense. Hop. Parfait. On va se poser là. Putain, il y a de la neige bien bas là. Il y a de la neige bien bas. Est-ce que l'hiver ne serait pas en train d'arriver? Donc là, je pense que je peux monter encore. Oh purée, il faut surtout pas perdre. Frérot, j'arrivais plus à le reprendre. Ok. Pas mal. Du coup, là, je vais juste reprendre mon envol. Oh la brume! Incroyable. Et là, essayer de gratter un maximum. Waouh, mais c'est trop stylé la brume. C'est quoi ça encore? Voilà, et on va essayer de prendre de l'altitude par derrière, entre guillemets. Hop. Et voyez, là, je peux pas monter. Ah si, c'est bon. J'adore à chaque fois dire des trucs et finalement me contredire. Tant mieux. On serait pas au sommet le plus haut, là? Ah, mais c'est nouveau, on voit plus rien. Ils ont vraiment mis de la brume et tout. Bah là je crois qu'on est au sommet le plus haut parce que là-bas c'est pas plus haut. Et ouais pour moi là c'est le pic le plus haut de la map. Ouais c'est sûr. C'est clairement sûr. Nous sommes officiellement les amis au plus haut de la map. À pied j'entends. Donc là l'idée ça va être d'essayer maintenant de prendre notre envol. Et d'aller encore plus haut et de voir jusqu'où on peut aller. Je suis assez curieux de voir. Donc ça va être vite vu. On va descendre en piqué et remonter tout de suite. Tranquillement. Alors ça va être en fait c'est ça qui va être compliqué, c'est qu'on ne voit rien. Et c'est ça la subtilité, c'est qu'on ne voit rien. Bon t'as vu déjà, je suis beaucoup plus haut que là où on s'est jeté. Hein, je me suis jeté juste là, regardez. Juste ici là. Donc là déjà j'ai encore pris plus de hauteur. Oh là il n'y a pas de brume. Ok, là il n'y a pas de brume. C'est quand on va là qu'il y a de la brume. Excellent. Ok, bah ça va être notre point de repère.
La brume, c'est à cette hauteur là. Oh, ok, parfait. Bah, on va essayer de passer au-dessus des nuages finalement. Ok, pas mal. Ouais, donc on était bien au point le plus haut, ça se voit. Oh, j'ai un plafond de verre, je crois. Oh, j'ai l'impression d'avoir un plafond de verre. J'ai un feeling là. J'ai un feeling. Je suis pas tout à fait sûr, mais. Non, là, je suis pas sûr encore. Mais j'ai l'impression de ne pas pouvoir. Là, je vais avoir la réponse à ma question. Parce que là, j'ai pris beaucoup d'élan. J'essaie de me repérer au niveau du sol. Non, ça a l'air de continuer encore. Ok. Juste en dessous, c'est là où il y avait le premier crash d'hélicoptère dans ma saison 1. Là, c'est plein de nostalgie de voir ça d'en haut. Là, on voit toute la map. Hein. On voit toute la map. Hein. C'est là que tu vois qu'elle est grande, quoi. C'est là que tu vois qu'elle est grande. Là, on prend un maximum d'élan. Ouais, non, mais là, clairement, on... Non, non, regardez, on... Ah, j'ai l'impression quand même qu'on peut pas aller plus haut, mais j'ai l'impression qu'il y a le potentiel encore. Ok, je vais essayer de pas descendre trop bas maintenant. Eh ben, y en a qui se font chier hein, pour faire ce genre d'expérience. Plafond de verre. Plafond de verre. Je crois bien. Je crois bien qu'on a un plafond de verre. Je suis pas sûr, hein. Là par contre j'ai pas la preuve. C'est pas comme en quittant les limites de la map. Mais j'ai quand même l'impression que ça s'arrête de manière assez précoce. Ouais, j'ai l'impression que mon ascension s'arrête de manière assez précoce. Ah, c'est fou. Bon écoutez, je pense qu'on va pas plus forcer que ça. On est quand même déjà très très haut. Bah si, on a quand même pris beaucoup de hauteur, mais j'ai l'impression que ça va s'arrêter là. Et c'est énorme, regardez, on voit toute la map. C'est impressionnant. Moi ça me fascine. Ça me fascine, regardez ça. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire également. Et on va descendre en piqué les gars. Regardez, vous voyez le petit lac là-bas, le petit étang pile en face de nous. C'est là qu'il y a notre base quoi, c'est énorme. Ouais. Oh là là là, la vitesse de zinzin. Oh la vitesse de zinzin, on va faire planter le jeu là. Incroyable. Voilà, bon on peut pas aller plus vite hein. C'est déjà pas mal quand même. Voilà un petit peu pour les expériences en tout cas. Je suis assez content de les avoir fait. Et du coup bah les copains, en prochain épisode on va faire le... On va essayer en tout cas de faire les boss finaux je pense. Mais ça va pas être de tout repos hein. Ça va pas être de tout repos. Bien sympa en tout cas, bah j'ai kiffé. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker évidemment pour m'encourager encore une fois. Et puis on se retrouve du coup semaine prochaine. Et puis pour de prochaines vidéos, là tous les jours il y a une vidéo qui sort. Donc vraiment, j'espère vous régaler. Et j'espère que vous kiffez. Oh putain, j'ai eu trop peur. Tête de wham. Allez, plein de bisous. C'était Mkolo. C'est bien beau gosse. Ciao tout le monde.